Eh bien, salut à tous, c'est Darko pour une nouvelle vidéo de Let's Play sur Plague Tale Innocence, et je vous retrouve aujourd'hui pour notre 9e épisode, excusez-moi. Et je vous retrouve là où on s'était arrêté la dernière fois, à savoir en plein milieu de la ville fortifiée de Carcassonne, puisque oui, il y a un viewer dont j'ai totalement oublié le pseudo, je suis complètement confus par rapport à ça, qui m'a révélé que les gars d'Asobo, donc les gars qui ont fait le jeu, se sont inspirés de la ville de Carcassonne, et l'entrée par laquelle on est passé à l'épisode précédent, c'était l'entrée des seigneurs, si j'ai pas de conneries. Il m'avait dit, enfin, regardez dans l'épisode précédent, dans les commentaires de l'épisode précédent, il y a toute l'explication et les gars se sont juste gavés pour refaire la ville forte de Carcassonne, c'est top. Franchement, ils ont assuré. Et je parie, pendant que j'ai fait ce blabla, qu'il n'y a personne qui a remarqué qu'en haut à droite, j'ai modifié légèrement mon logo. Ouais, faites pas très attention, c'est pas grave, je vous en veux pas. Où est-ce qu'on en était? Où est-ce qu'on s'était arrêté? Donc, on avait quitté la ville, enfin pas la ville, le château d'Ombrage pour rejoindre justement la ville avec Mélie, puisque Mélie devait récupérer son frère Arthur qui était prisonnier de l'Inquisition, et nous on devait récupérer un bouquin, un grimoire qui était utile pour Lucas pour essayer de lutter contre la Macula qui gagnait le sang de Hugo. Pardon. Ouais, ok, si tu veux. Hop, on va récupérer. Et on va faire ce que j'avais fait à la fin de l'épisode précédent. C'était quoi ce bruit? Bah, je sais pas. C'était des rats. Voilà. Donc, ça nous libère le passage. C'est très bien, c'est très cool. On va looter. Et je suis toujours plein, je crois. Si j'ai pas de conneries. Ouais, je suis plein. Je vais me faire du Devantis en rab. J'ai encore de la marge hein, pour le Devantis. Au moins, comme ça, je suis tranquille. Ouais. Et on va se remettre là-dessus. Ok. Est-ce qu'on a quelque chose ici à récupérer? Non. Donc, le monsieur était pendu. C'est triste. C'est vraiment très triste. On sent que je suis triste ou pas? Hop. Ça a l'air chaud, mais. Oh, qu'est-ce que ça sent fort? Peau de mouton. Alors, une peau de mouton. Je loupe pas un truc, merde, dommage. Avant que le fléau ne prenne des proportions incontrôlables, cocher et berger étaient souvent épargnés, protégés sans le savoir par la forte odeur des boucs, moutons et chevaux auprès desquels ils vivaient. Ah bon? Un répit temporaire, car les heureux survivants furent parfois suspectés d'être au service du grand mal, et certains sévèrement punis en conséquence. D'accord, pourquoi pas. Est-ce que je peux ouvrir ici? Je peux ouvrir ici, mais d'abord j'ai un ambiance qui est à l'étage. Parce que évidemment il y a un étage. Il y a un étage. Et qu'avons-nous ici? On a du tissu, on a du tissu, on a un mort. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Dans longtemps, ma très chère Amicia, dans longtemps. Là, il n'y a rien à récupérer. À mon avis, c'est que je peux passer par là. Je dois pouvoir passer soit par là, soit... Ah, il y a de l'alcool là-bas. J'ai oublié l'alcool. Bougez pas. On va chercher l'alcool. Je vais passer à côté tout à l'heure. Hop. Très bien. Ça va pas s'arrêter avant... longtemps. J'ai pas les dates de la peste noire en Europe. De combien de temps ça a duré. Voilà. Tous exécutés. Ah ouais, d'accord, ils plaisantent que dalle, les mecs. Pourquoi vous avez fait ça? C'était un bon garçon. Tant pis, c'est ici parce qu'il a désobéi aux ordres. Il a eu peur et il s'est enfui. On était sur le point de partir. Ah, ça suffit. Tu vois, ces morts, ça s'appelle la discipline. Sans elle, on vaut pas mieux que les rats. Je devrais t'arrêter. Mais je te fais une fleur. Allez. Va prier pour ton fils, et prie pour que l'Inquisition vous sorte de là. Trop aimable. On va tous aller en enfer. Alors, ce serait vrai si l'enfer existait. Mais moi, vu que je suis... athée, voire peut-être agnostique, mais non, plus athée que agnostique, ben... Voilà. Même les cochons meurent. En même temps... Je sais pas si les cochons étaient
touché par la peste noire, parce que je rappelle quand même que le métabolisme du cochon est très proche du métabolisme de l'homme. C'est pour ça que très souvent il y a des tests qui sont faits sur le cochon. C'est assez fréquent. Ah, ok, donc il y a un mec là-bas, il y a un mec là-bas. Parce que je peux pas le flinguer lui là-bas. En mode en scred. Non, tu veux pas me... Si. Tu veux bien me verrouiller. C'est bloqué. Peut-être que si je passe sous le gibet. Non, tu ne veux pas. Ok. Donc passer là-dessous. Ouais. Trouvera là-dessous. Je passerai pas sans les distraire. Ouais. Bah écoutez. Quelque chose me dit qu'on va devoir envoyer des cadavres. Genre lui. Ouais, visiblement là, les rats, ils sont occupés. Bien. Ah ouais, d'accord, le sol est... Oh, mon... C'est dégueulasse. Allez, Amicia. Accroche-toi. Pense à Hugo. C'est pour lui. Oh. C'est dégueulasse. Ah. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ok, donc là pour le coup, hop, des vents anti sur ta gueule, toi. Ok. Me semble pas mal. On va devoir activer ce truc là. Ok. Ça me semble pas mal pour l'instant. On va voir ce qu'il y a là-bas. Parce que je dois passer ici, on est d'accord. Mais j'aimerais bien voir ce qu'il y a au-dessus là. Ouais, il y a du loot. Il y a du loot. Il y a du loot. Et j'ai vu qu'il y avait des brindilles aussi. Vous inquiétez pas. Toi, t'as pas du loot sur toi, monsieur, s'il te plaît? Si, t'as une pierre. La pierre que je t'ai balancée dans la gueule. Ok. Ça, c'est bon. Il n'y a rien d'autre ici. Quelque chose me dit que je peux essayer de passer par là-bas avec une brindille, mais je suis pas convaincu. Ouais. Pas l'impression qu'il y ait grand-chose ici. Ok, est-ce que je peux pas refaire tomber... Si, je peux refaire tomber un cadavre. Et ça a libéré en dessous, ce qui veut dire que, en effet, je peux utiliser la brindille pour aller vers là-bas. C'est-à-dire qu'il doit y avoir quelque chose à récupérer là-bas. Je vois pas d'autre explication. Le problème, c'est que je vais être très limité en termes de temps. Je vais être extrêmement limité en termes de temps. Que dalle ici. Que dalle là-bas aussi. Ouais, non. Non mais... Hop là. Ouhouhou, j'ai eu chaud. J'aurais dû reculer davantage. C'est pas grave. Bon, s'il y avait quelque chose là-bas, je l'ai loupé. La question qui tue, c'est... Ouais, je peux passer ici. Pas de problème par rapport à ça. Non, regarde pas. Ne regarde pas. C'est les cadavres, c'est bon. Bon, ils sont tous décomposés, à moitié bouffés par les rats, etc. Mais bon. Ça reste des cadavres. Je dois être fidèle à ma foi. Souviens-toi des écritures. Ad ignem, ad lucem. Ouais. Ah. Là, il y a un truc intéressant. C'est à ça que me sert la... Ok. Je vais chercher la brindille. Bougez pas. C'est là que ça va me servir. Hop, on va récupérer la brindille qui est là. On va ici. Parce qu'il y avait un coffre et que le coffre, franchement, ça vaut le coup. Ouais, sachant que je peux
peux allumer là-bas. Ok. Question qui tue, c'est comment est-ce que je vais faire pour faire demi-tour après? Ah, il y a une branille là, ok. Ok, bien. Ouais, mais évidemment, je suis plein en tout, quoi. À part en tissu. Et alcool. Dévorantis, ça me concerne de l'alcool, vous allez me dire. Hop. On est pas mal. Ok. Jusque là, tout va bien. On peut lâcher ça, on a plus besoin. Et lui, donc, on va le sécher. On va le sécher convenablement. Ok. On est pas mal. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Là, c'est là où j'étais tout à l'heure. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour, là. Eux, ça sert à rien. Ils protègent que dalle. Et on est plutôt pas mal. On est plutôt bien. Toi, t'as rien sur toi? Non, t'as rien sur toi, évidemment. Pas trop en demander non plus. Ok, je peux passer par là. Eh bah écoutez, avançons gentiment. J'ai cru que j'y arriverais pas. Oh, j'oublierai jamais cette odeur. C'est vrai que ça devait puer la viande pourrie. Ça devait pas être très agréable comme odeur. Pas des trucs à récupérer, des trucs cachés, quelque chose comme ça. Genre là. Ouais, mais je suis plein. On va s'en faire du dévorantis, hein, écoutez. Hop. Nickel. L'université. Tu vois, allez Amicia, continue comme ah, ça. On est vraiment... On est quand même encore assez loin. Et j'entends des rats. Le cimetière, il est sur le chemin. J'ai vraiment pas envie de passer par là. Ah, c'est bon, tu viens de passer dans un charnier, ça passe. Arrête, fais pas ta mijaurée, quoi. Évidemment, c'est fermé. Oh, c'est fermé. Si seulement Mélie était là. Ouais, mais elle est pas là. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Ok, d'accord. Donc on va devoir orienter ce truc-là. Ça doit pivoter. Efficace. Le grand inquisiteur ne fait pas les choses à moitié. J'ai moyen de tuer les rats ou pas? Ah non, ils reviennent même stop. Attendez, est-ce que je peux même tuer? Je suis sûr que je peux essayer de tuer. Genre là, les rats qui sont là-bas. Ah non, ils viennent en boucle. Donc je peux pas les tuer. Par contre, je pense que je peux... Donc déjà, ceux-là, vous allez dégager. Voilà. Et je vais bloquer les rats là-bas. En bloquant les rats ici, ça me libère. C'est pas trois rats qui vont me tuer? Si. Ah si, laissez tomber. Grosso modo, là, je me libère ce chemin-là. Ouais, sauf que c'est du loot que sur lequel je suis déjà plein. Donc... Direction là-bas. J'aurais essayé, hein. Hop. Nickel. Faisceau lumineux aussi. Permet d'ouvrir aussi. J'aimerais lumineux. Oui, ça on le sait. Ça je vais deviner, ça merci. Bien. On a un établi ici. On a un coffre surtout. Ce qui est pas mal, mais je suis déjà plein en soufre. Et il y a un outil. Je suis à 3 outils, ça commence à faire beaucoup. Et je peux rien crafter parce qu'il manque de la corde pour. Enfin, de la ficelle pour de la corde. Salpêtre aussi. Il manque du cuir pour la pochette. Je vais avoir besoin d'une poche et de sac à munitions. Hein. La poche en priorité, je pense. Donc il me faut encore du tissu. Encore et toujours. Hein. Le tissu, ça a toujours été le truc qui me fait défaut. Donc là, je peux rien crafter.
Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, j'ai pas besoin de... Non. J'ai pas besoin de l'établi. T'as bien quelque chose. Un truc précieux. On a tous un trésor. Allez, Amicia. Fais quelque chose, allez. Ça t'apprendra. Efficace. Hop. Il a lâché quelque chose. Est-ce que c'est... Non, c'est juste un sac de pierre, en fait. C'est bien, ça. Ça sert à rien. Ouais, là, il va falloir que je tourne le truc. D'accord. Hop, nickel. Là, il me semble qu'on est pas mal. Ouais, en plus, les rats se font plaisir sur le côté. Nickel. Une fenêtre, parfait. Ça me libère tout le passage. Très bien. Lui a été bouffé en deux. Il n'y a plus rien à récupérer sur lui. Et bon, bah écoutez, hein, la fenêtre, hein. Reculez, bande de rongeurs! Brûlez! Alors ouais, par contre... Ouais. Ok. On va juste passer par là. Escalader. Ne restons pas là. Et se barrer. Discrètement. Ils ont pas de casque, ça Maître, va. Voici l'épisanguis. Ah, voyons ça. C'est un alchimiste, le mec? Parfait. J'ai une question. On sait que ça vient des rats, mais... à quoi ça sert? Nous appelons cela Odox. Oh. Ah. C'est un des nombreux effets de l'épisanguis, lorsqu'on le mélange avec du soufre. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ça va être pas mal, ça. Pourquoi on ne pourrait pas équiper nos troupes avec ça? On pourrait... C'est bien trop précieux. Chaque cristal d'épisanguis doit être consacré au projet. Par ailleurs, avec ces cristaux, nous avons déjà rencontré plusieurs, comment pourrais-je dire, des accidents regrettables. Apportez ça au bastion, ce sera tout pour aujourd'hui. Des accidents regrettables. Imagine, tu t'en renverses sur les pieds, tu finis ta patrouille cul de jatte. Ça va être très intéressant, donc mélanger avec du soufre... Qu'est-ce que c'est? Je dois voir ça. Ouais, j'avoue que ça peut être très intéressant. Ils sont partis. Allez, c'est juste un cimetière. Mais ouais, j'avoue que là, les puissants ça peut être pas mal pour se débarrasser des ennemis. Oh, ah, une fosse commune. Ah, charmant. Charmant, charmant. Ok, bon, on va traverser le cimetière, écoutez. Ça va bien se passer. Là, on a du loot. Du cuir et de l'alcool. Alcool, je peux pas... Je peux me crafter un petit peu de... Par contre, salpêtre, ça peut m'être utile aussi pour le craft classique. Le craft de talon. Là, ça va être compliqué. Qu'est-ce qui vous excite comme ça? On va pas tarder à le découvrir, à mon avis, Amicia. Tiens, tiens. De l'épisanguis. Trop bien. On va pouvoir faire de l'odorantis. Bien, épisanguis et soufre. Reste à les broyer Odorantis. Ok. Bon, il reste plus qu'à essayer. Lucas, ça c'est pour toi. On va s'en crafter d'avance parce que ça consomme que du soufre. Voilà. Donc Odorantis, projection pour l'instant. Viser une surface et lancer un Odorantis pour, les déplacer. Ouais, parce que je vais en avoir besoin pour ressortir. Et au passage.
Kaïas ici. Donc, ouais, équipé. Résultat, à tout hasard. Hein. Ça marche. Ok. Sauver la vie, il faut que j'en trouve plus. Souviens-toi, les fées ne durent pas longtemps. Ouais. Et puis sans glisse, appuie sur Y pour ouvrir le menu d'artisanat. Oui, mais enfin, il n'y a pas besoin autrement. Ah, ok. Ah ouais, augmente la durée d'effet de l'Odris et de l'Uinosa. Ah, ça peut être intéressant, ça. Mission d'Inifère, distrait les ennemis alentour. Ah. Ah. Ah, ta mère. L'Odris va être très utile, mais ça me consomme du tissu, où j'ai déjà... Je suis déjà en rate de tissu. Le Luminosa, ça peut être pratique aussi, même si normalement je peux m'en passer. Des instruments, et meilleurs outils permettent une mission plus précise. Ouais. Ouais. Dites-moi dans les commentaires ce que je dois faire. Passer le matériau. Ah putain, ouais, j'ai tout claqué comme un connard. Ah bah oui, j'ai tout claqué comme un connard. En effet, ok. Bon. C'est pas grave. Là, il n'y a plus rien. Ouais, non. Bon, dans l'immédiat, il va me falloir du tissu. Encore une fois, là, pour pouvoir passer. Pour pouvoir passer. Ok. Je peux passer par là-bas, mais je peux passer ici aussi. C'est fermé. Évidemment. Hop là. Petit lag. Du tissu, ça c'est là-bas, bien ça. On dirait la sortie. Allez, j'y suis presque. Ouais, mais moi en fait j'aimerais bien aller ici plutôt. Genre, j'ai pas loupé un truc là. Pour pouvoir passer ici. Comment je fais pour passer ici? Genre, Amicia, ici tu peux pas escalader. T'es en train de me dire que tu peux pas escalader. Parce que là, comment je fais, bordel de merde? Analysons la situation. Je pourrais peut-être passer par là-bas. Plutôt vers le fond, peut-être, je sais pas. Parce que j'essaie de regarder, voir s'il n'y a pas des marques de craie. Mais il n'y en a pas. Donc bon. Putain, faut encore que j'en utilise, quoi. Sa mère. Alors, vous allez me dire, là-bas, j'ai l'impression qu'il y a des cristaux à récupérer. Ok, bon. Le sol s'est affaissé. Je dois trouver quelque chose pour me hisser. Vous restez là. Faut que j'aille ici, d'accord. Bon, déjà je récupère ça et ça. Très bien. Il n'y en a pas ici en plus. Non. Ok. Ok. Bon. Pierre, je suis plein. C'est là que je peux pas. Si j'arrive à la placer en bas. Je pourrais grimper dessus. Attends 30 secondes, Amicia. Parce qu'en fait, que je t'explique, j'aimerais bien aller voir ce qu'il y a là-bas tout au fond. Sauf que les rails reviennent non-stop, c'est chiant ça. Ah mais... Dégagez de là! Putain de rongeur là. Que je vais réussir à passer là. Ou est-ce qu'il faut obligatoirement que je claque un truc? Parce que là, l'intérêt de cette loupiote m'échappe. Il y a un truc intéressant. Évidemment, ça passe pas à travers le mur. Bon.
primo. Ah, c'est dommage, hein, vous pouvez pas me choper. C'est dommage, juste à côté de vous. C'est triste. Hein. Voyons voir. Est-ce que... Et non, il me manque un. Il me manque un. Dommage. Et ça, en fait, je vais juste l'aligner là-bas. Et je vais foncer directement sur zone. Parce que j'aimerais bien pouvoir... repousser... les rats. Genre, définitivement. Mais là, je ne peux pas... Et ici, il y a quoi? Ah ouais. Ici, il y a des trucs intéressants là. Il y a du tissu notamment. Ok. Ok, on est pas mal. On est pas mal du tout. Vous êtes en train de me dire qu'il va falloir que je réutilise le... Non mais... Oh, ils sont vénères les rats. Je vais devoir éclairer ce truc là là-bas. Eh, sauf que ça éclaire pas assez loin ça. Je réfléchis à comment est-ce que je peux atteindre cette foutue putain de... De charrette. Je suis dans la lumière, tu ne touches pas. Est-ce que je peux faire cramer les rats en mettant les rats dans la lumière? Ça vaut le coup d'essayer, hein. La réponse est non, j'aurais essayé. Ça ne tiendra pas assez longtemps. Je dois les coincer une fois pour toutes. Ouais, d'accord, je veux bien, mais tu veux que je les coince comment, Amicia? J'aimerais bien les coincer à droite, mais le problème c'est qu'il reste, quoi qu'il arrive, ou alors à gauche hein, aussi. Et le problème c'est quoi qu'il arrive, il reste des rats là-bas. Mais je suis con, je suis très très con en fait, regardez. Hop, donc, les rats, revenez sur la gauche. Voilà, merci. Voilà. Et Odorantis, ici. Réfléchis. Tu peux attirer ces rats où tu veux. Tu dois les coincer. Voilà. Non, 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 mais non, non, les gars, vous trichez là. Sérieux. Donc, primo, ça, ok. Et le dentiste, on va carrément le mettre là-bas. Pouvoir les attirer dans ce renfoncement. Oui, merci, ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure. Voilà, merci. Non, mais je sais. Eh, le jeu, tu te fous de ma gueule, en fait. Oui. Voilà. C'est bon, là, ça marche. Bon, par contre, j'ai claqué what milliard de trucs que j'aurais pas dû claquer. Ça le pète pas mal. Je dirais que là, vous aviez trouvé la réponse et qu'en fait, vous étiez en mode enragé derrière votre écran. Voilà, c'est là où je voulais aller tout à l'heure. Comme si cet endroit n'était pas assez sinistre. Morceau de transi. Alors, morceau de transi. Les transis sont une version détournée des gisants, si tu le dis. Ces édifices portuaires, excusez-moi, dénués de corps, ornés d'un bas-relief, dépeignant un défunt dans une position paisible. À l'inverse, les transis représentent le trépassé de manière réaliste, décharné ou en cours de putréfaction. Ah ouais, pas bête. On les voit se multiplier dans les cimetières citadins où l'afflux de dépouilles infectées participe à la propagation du grand mal. Les cadavres contaminés sont cependant placés dans les fosses communes à l'extérieur des agglomérations, tandis que les transis reposent dans un lieu sain. Ok. Et il n'y a pas de loot ici, c'est uniquement pour un truc historique. Bon, excusez-moi, j'ai mis du temps à cogiter, je sors de 6 heures de stream. Je viens de tester la 3.7 là avec vous, allez, c'était cool. Dis-moi que tu roules encore. C'était le pied, mais résultat, je suis un peu exténué. Parce que bon, réussir à faire de la spéléologie dans un jeu et réussir à limite se paumer, hein, voilà.
uniquement dans Star Citizen, quoi. Hop. Oh, oh non. Bravo, Anicia, bravo. C'était vraiment très discret. Ouais. Bien, plus qu'à la déplacer. Ok. Bon. Tu vois, tu t'en sors. Tu t'en sors bien, même. Ouais, en réalité, t'as pas besoin de Hugo, hein? T'as pas besoin de ton frère, tu peux le laisser mourir. Tu peux retourner au château d'ombrage et vivre ta vie sans lui. Le laisser mourir. Ce serait bien, ça, non? Hop, on va se recrafter ça. J'aimerais bien, en fait, conserver un petit peu de cristaux pour pouvoir crafter des améliorations. D'ailleurs, est-ce que je peux déjà me crafter une amélioration là? Non. Ça, on s'en fout. Si, récipient, sauf que le problème, c'est que ça me consomme du tissu. Et il me manque un tissu pour pouvoir faire... Ah, il manque de la salpêtre aussi. Enfin, du salpêtre, plutôt. Pour faire la tiraille. Et surtout, il me faudrait une poche. Une poche, il me faut encore deux tissus. Donc on va attendre pour se faire la poche. Ça, ça va être important, ça. Il faut juste deux tissus. C'est pas compliqué, deux tissus, bordel. Ça se trouve, genre là. Vous voyez, ça, c'est du tissu. Pourquoi je peux pas le récupérer, hein? Parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est un héros, un héros vrai, de jeux vidéo. C'est ici et que les héros de jeux vidéo sont cons. Ils se sont fait empaler à tout hasard. Ils se sont fait massacrer par l'Inquisition, je dirais. À vue de pif, comme ça. J'y suis presque. Lucas, il a intérêt à exister, ton livre. Ouais, il y a intérêt, clairement. Que j'ai pas fait tout ça pour rien. Mais j'ai appris une nouvelle formule, c'est cool. Ok. Je peux pas récupérer un glaive, là? Ils ont massacré tous les malades. C'est pas vraiment surprenant. Les rats, ils ont lâché les rats. C'est l'Inquisition qui est aux commandes, qui était aux commandes des rats, en fait. L'Inquisition a utilisé les rats pour buter les gens. Avec l'odorantis. C'est pas odorantis, possible. Odorantis, odorantis, je sais plus. Ils ont utilisé les rats contre les malades. Salpêtre, ouais, c'est bien ça. Ils ont fait bouffer. Ouais, là-bas il y a les rats, ok. Ouais. Je peux pas en crafter plus. Je peux pas en crafter plus. Je peux pas en crafter plus. C'est chiant. Ah. 30 secondes que je regarde un truc. Ça me consomme du tissu, mais je veux pas utiliser de tissu, ta mère! Je suis tiraillé. Qu'est-ce que vous avez de si important à dire pour gueuler comme ça tout le temps? L'odoris. Je pourrais essayer. Une fois au bastion. Ça a marché. Ouais. C'était prévisible en même temps que ça marche, Amicia. Donc l'Inquisition contrôlerait les rats. C'est bâtard quand même. Oh. Ah. Est-ce que je passe là-bas? Est-ce que ça passe juste là? Ça passe. Ouh. Ça passe. Il y a du tissu. Il y a du tissu. Il y a une ficelle. Il y a du tissu. Et un outil. Le temps, il manque un de tissu maintenant. La délivrance est proche. Délivrance est proche. Ouais, franchement, ça passe de just, hein. C'est bon, ça passe. Ok. Pourquoi? C'est pas moi qui ai avancé, c'est elle avançait toute seule. Parce que c'est trop tard pour vous. Appelle ça la clémence. Mais rassure-toi, tous les autres seront bientôt sauvés. Il en fout l'armure, le mec. Arrêtez de les balancer dans l'eau. Côté. On peut plus patrouiller là-bas, tellement... Oh, tellement ça pue.
Vous avez de la chance de sentir encore quelque chose. Ok. Est-ce que... Est-ce que j'utilise le dévorantis là pour le coup? J'aurais tenté de dire que oui. Est-ce que ça va fonctionner? Je pourrais attirer les rats hors du pont. Ok. À quoi bon se faire chier, c'est de la tirer ailleurs. Il suffit de le tuer. Ok, y a rien de plus ici. Attirer les rats hors du pont. Pardon, héros ? Qu'est-ce que quoi ? Pourquoi ils m'ont attaqué d'un coup là ? Tu m'expliques le jeu ? Pourquoi ? Parce que c'est trop tard pour vous. Appelle ça de la clémence. En fait, faut juste que je fasse bouffer, quoi. Tous les autres. Hé hey ! Arrêtez de balancer dans l'eau ! Finissez tous de l'autre côté. Ouais. Oh, là. Bon, ça ne marche pas. Je vais pas te louper. Tu peux. Hey. Bon, solution bis, hein. Hein. Épissanguis, nice. Alors bon, faudra m'expliquer pourquoi tout à l'heure, quand je me suis approché des rats, ils sont morts tout seuls comme des cons. Enfin, ils m'ont attaqué tout comme des connards. En fait, c'est ça le problème. Genre, là, ils se sont dit, ah bah tiens, c'est bon, on peut passer en fait. On avait pas fait gaffe, on peut passer. C'est pas logique comme truc. Est-ce que je peux pas les attirer ailleurs? Ouais, de toute façon là j'ai oublié de me recrafter de l'Odoris. Odoris, on va remettre là-bas. Voilà, Rulte, on peut passer ici. Pourquoi sans trop de problème. Là les pissenguis, les cages. C'est pas une simple évacuation. Non. Du tout. C'est un... On va tous tomber malades à rester ici. Je vais tenter de dire que c'est une zone de test. On les uns aux autres, jusqu'au grand inquisiteur. Il restera plus personne. Mais ta gueule. Putain, ouais. Y'a quelqu'un ici. Hop là, j'avais pas fait gaffe qu'il arriverait aussitôt, lui. Je pensais qu'il ferait le tour, le grand tour. Pas grave. On va tous tomber malade à rester ici. Ah oui, j'avais pas vu qu'il était là, lui. On passera le mal les uns aux autres, jusqu'au grand inquisiteur. Et il restera plus personne. Mais ta gueule ! C'était quoi ? C'était vous. Oh, je vais pas vous. Non mais. Sérieusement ? L'autoloc qui se barre. On se la fait. Il y a une autre solution, c'est sûr, mais on va j'ai. Tomber malade à rester ici. On se passera le mal les uns aux autres, jusqu'au grand inquisiteur. Et il restera plus personne. Mais ta gueule ! T'as pas fini de chialer ? Je veux plus t'entendre, pas un mot ! C'est des ennemis de jeux vidéo. Putain, ça me consomme du tissu. Ah, ça me consomme du tissu. Je pense que si je me mets là pour le shooter, il va pas m'entendre. Oh, c'est par là ? C'est quoi ça ? Voilà. Il suffisait de s'éloigner suffisamment. C'est très bien comment je suis, hein. S'il y a personne pour remarquer, personne ne remarquera rien. Dévorantis, ça reste quand même mon truc préféré, hein, je trouve. Bon.
Qu'est-ce qu'il y a ici? Non mais les rats, ça va, je suis dans la lumière là, les mecs. Là, il y a rien en fait. Ok. Bon, bah vu qu'il n'y a rien à récupérer, on va avancer. Hein. Derrière, là, j'entends des rats. Et ici, c'est juste le truc qui me permet de faire du bruit. J'aurais pu la tirer là, c'est vrai. C'est un chariot d'alchimiste. Il doit y avoir des choses utiles dedans. Ouais, j'avoue. Bon, quelque chose me dit que là, je vais être obligé d'utiliser ça. Hein. Non. Hop. Je crois que c'est là le passage obligatoire pour que je, où je devais l'utiliser. Personne aux alentours? Ok. Ça me fait chier, ça m'a consommé du tissu. C'est relou. Ah! Monte, Amicia, s'il te plaît. Corde, non, on s'en fout. Il me faut... Time. Le seul loot qu'il n'y a pas ici, c'est du tissu. Amicia peut utiliser à fond pour lancer Luminosa, c'est cool, mais ça sert à rien. Sun peut être lancé à la main. Oh, ok, cool. Et donc, ça, il manque un tissu, le tissu que j'ai utilisé pour pouvoir crafter le Luminosa. C'est cool, hein. C'est calculé exprès pour me faire chier en fait ce jeu. Non? On est d'accord, hein? C'est calculé exprès pour me faire chier. Alors donc, maintenant, comment est-ce que je fais pour passer? Je dois aller où? Question comme ça, là. Je dois aller où? Parce que là, je suis venu ici. Je suis venu, j'ai vu. Et j'ai rien bité. Je cherche le chemin. Non? C'était pas par là qu'il fallait que j'aille. C'était pas par là qu'il fallait que j'aille. Fallait que j'aille où? Donc là, ok, ça c'est le chemin classique. Ah! Suis-je bête? C'est là-bas! Ok. Ok. Sauf qu'évidemment, il y a What Milliard de mobs. Enfin, de deux rats. Voilà. Vous, je brûle dedans. Dites ce que je dois faire. Je sais pas. Boire. Ah bah non, tu peux, mais bon, je te déconseille pas, hein. Ah bah là. Allez, courage. L'université ne doit plus être très loin. Ouais. C'est quand même bien la merde. Ah, je suis plein. Bougez pas. Parce que c'est bien pratique quand même le Doris. Voilà. Voilà. Par contre, on va se remettre avec ça. Pas déconner non plus. Ça rappelle un petit peu l'histoire du joueur de flûte. Qui charmait les rats avec sa flûte. Ah. L'université. Vitalis, le boucher qui a tué mon père travaille pour toi. Son sang est aussi sur tes mains. Ouais. Visiblement, il y a un ennemi pas loin, j'aurais pas dû courir, mais ça va. Ah ouais, il y a plusieurs ennemis en fait dans le coin. Ils sont 3, 4, visiblement.
Je dois pouvoir me les fumer en mode fufu, cela. Avec mon combo favori, Dévoranti, c'est... Ouais. On va monter sur le rempart. J'aurai une meilleure visibilité. Ah ouais, mais là, il y en a deux... Bon, option B, on va faire ce que le jeu veut, qu'on fasse, à savoir libérer les rats. Ok, donc ces deux-là, ils sont morts. Résultat, là justement, Dévorantis, ça va marcher sur eux. Sa tête, Amicia, sa tête. Merci. Putain, elle voulait viser la lampe. Ok. Lui, ça va être la même. Et lui, un petit peu loin quand même, faut pas déconner non plus. C'est pas un sniper que j'ai. C'est une fronde. Au final, j'ai bien fait de séparer ce chapitre-là en deux, parce que, mine de rien, il y a déjà 46 minutes de vidéo. Et on l'a pas encore fini. Ce chapitre. Alors, ici, on a de l'alcool, ouais, des pierres, ouais. Ouais, je vois ce qu'il y a de l'autre côté aussi. Et dans un premier temps... Ça va que c'est vraiment des ennemis de jeux vidéo. Hein. Ouais. Passe bien. Ça se passe bien, Ici on a salpêtre, je prends. Alcool et soufre. Alcool je peux prendre, par contre souffle je suis plein. Voilà. Comme ça on est tranquille. Plutôt récupéré. Alors oui je sais que je tue beaucoup de monde. Et alors, j'ai envie de dire, c'est des méchants. Comme dans Trouleyes, hein. C'est oui mais c'était des méchants. Allez dis-moi qu'il y a... Ah, je suis plein en ficelle. Sac en munitions, je peux le faire à la limite, mais est-ce que ça va pas me gêner par rapport à l'attirail? Ça va me gêner un peu pour l'attirail, mais bon. Sac à munitions, ça va être très important pour crafter justement un boîte milliard de trucs. On va conseiller de, prendre le sac à munitions d'ailleurs. Ça, donc, ça va me simplifier la vie. 20 munitions. Nickel. Résultat, je vais pouvoir crafter comme un goré sans trop de problèmes, genre... ah, j'ai plus d'alcool. Voilà. Par contre, il n'y aura pas de tissu dans le coin, même si j'ai plus assez de cuir. Voilà, j'ai fait le tour. On va récupérer les ressources que j'ai laissées derrière. Ouais, j'étais déjà passé par là. Ok. Ah bah alcool j'en ai besoin, nickel. Je peux porter jusqu'à 20 pierres maintenant, plus 20 dévorantis, plus 20 odoris, plus 20 inifères. Ah ouais. Pour citer Melly, je m'équipe pour faire la guerre aux Anglais et à gagner la guerre moi toute seule. Enfin, moi tout seul mais... Si vous voulez bien me faire l'honneur... Amicia tout seul. J'ai bien cru que j'allais cogner un de ces alchimistes. Tu calmes. Ils sont un peu arrogants, c'est sûr. Mais eux, au moins, ils savent lire. Ça leur donne pas le droit d'être cons. En tout cas, il y en a un qui disait que Vitalis. On savait que ça allait arriver. Nous devons prier. Bon, Vitalis serait malade. On savait que le grand inquisiteur était souffrant, mais là, et trop de gens lui ont tourné le dos malgré ce qu'il fait.
J'aimerais bien voir s'il n'y a pas des trucs à récupérer dans le coin là-bas, parce que... Ok, je me dis que c'est par là-bas qu'il faut que j'aille, mais... Ma curiosité... Ouais, non, je peux pas passer là-bas. Ils sont trop aux aguets, il y a une lune qui est pleine comme pas possible. Résultat, les mecs voient bien. Pas une bonne idée. Par contre, ici, il y a du loot. Il y a du loot. Mais il y a surtout deux chevaliers. Deux chevaliers que je peux shooter aisément, puisque il me semble pas que... Si, putain, lui, il a un casque. Ok. Bon, vous voulez jouer? Ok. Tout s'est bien passé. Il n'y a absolument aucun problème. Un plateau d'échecs, ça devrait plaire à Lucas. Ok. Alors, voyons voir le plateau d'échecs. Donc, plateau d'échecs, jeu d'échecs en bois plein. Ce jeu est popularisé en Europe durant le Moyen-Âge, d'abord auprès des populations nobles, pour se répandre dans toutes les strates de la société. L'invention de ce jeu fait l'objet de nombreuses légendes. Sa version première aurait vu le jour en Asie entre le 3e et le 6e siècle, évoluant lorsqu'elle atteint le Moyen-Orient, pour lentement trouver sa forme finale en touchant l'Europe au 10e siècle. Ça remonte à loin, putain, alors, dans ce cas-là. Mais vraiment à très loin. Évidemment, ils avaient de l'alcool sur eux. Ils avaient de l'agneau, c'est pour ça qu'ils se sont fait défoncer par une gamine de 15 ans. Logique. Ah, peut-être éviter de se faire les deux galettes plates. Hein. Bref. Avançons. Et on termine le chapitre 9 pour entamer le chapitre 10, mais ça sera la prochaine fois. Le chemin des roses. L'université. Bon, le livre. Souviens-toi de ce qu'a dit Lucas. Au sous-sol, le chemin est semé de roses. Des roses? Où je vais trouver des roses ici? Peut-être... Non, j'allais dire la fleur de lys, mais non, c'est pas du tout ça. Et puis de toute façon, c'est pas la belle époque, pour la réalité. Donc bon. On va s'arrêter là pour cet épisode numéro 9. J'espère sincèrement en tout cas qu'il vous a plu. On va continuer ça dès lundi. Dès jeudi plutôt. Si cet épisode-ci en tout cas vous a plu, j'encourage-moi à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je dis toujours, n'oubliez pas de prendre soin de vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.